C'est deux voix à ton Dieu. Où y a des sorciers? Oui. Les quatre. Vous pouvez ramener ça à moi, il y a rien que ça ajoute. Où y a des sorciers? Oui. Racisme. Allez-vous, voilà. Il y a deux. Comment ça va qui sort? Oui. Madame, ça va? Madame de Tribu, là. Ça va? T'es prête? Faut pas me faire comme la dernière fois. Hein. Bah, voyage aussi, t'as fait ça, été mince. Ça. Si c'est moi, tu veux laisser parler. Je t'assure, je vais venir pour ça ici. Si tu m'as fait parler, je t'avertis déjà. C'est qui te fait, je dis déjà. Tu m'as fait ça, je te mets à l'écart. Je passe à d'autres personnes. La première fois, je voulais te parler, tu dis non, c'est pas sorcier. Hein? Il t'a bien dit mon affaire, ça vient pas. Il t'a bien dit ça ici. Il t'a bien dit ça ici. Quelque chose, tu es sorcier, on te dit. On te dit, tu as dit non, tu m'as pas donné. Oui, mais quand tu es sorcier, il faut reconnaître. On t'a dit. Tu as reconnu ça, pourquoi maintenant tu reconnais? Levez-vous. Non, elle. Je la vois un peu, parce que c'est une merde. Il faut réaliser le monde d'abord. Puis tu m'iras et tu jettes un coup de tête, tu l'as dit. Tu vas dire, je cherche un Afrique, ouais. Oui, je suis sorcier. J'ai dit, tu mon affaire. Là. Pourquoi tu te dis des sorcières? Tu dis non, acclamez le Seigneur, il dit toi. Elle a fait ça, acclamez le Seigneur. Oui. Quand l'enfant a dit ici, le petit l'a dit, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça, c'est lui qui dit acclamé. Vous connaissez Nyeni aux enfants, on appelle ça Nyeni chez nous. Nyeni. C'est saleté. Nyeni en petit, ça dit saleté. Nyeni. C'est saleté de nos enfants. Nyeni, c'est saleté. Ça veut dire, c'est la saleté. Quand tu as donné Nyeni à l'enfant, quand la fois dit c'est ma grand-mère, tu dis ah, acclame le Seigneur, il dit mais tu vois rien, puis la fois t'accuse. Qui t'a dit de reconnaître maintenant? Mais quelque chose tu as ça? C'est la honte, je suis venu avec vous pour me donner. Comment on dit? Laissez-la parler. Oui? Non, laissez-la parler. Laissez-la enlever quoi? Dans le mauvais esprit que je suis moi. Toi et moi, on n'était pas au bureau ensemble ici. Tu n'as même pas dit ça. C'est un mauvais esprit. On peut faire tout ça, c'est la honte. Mais la honte, comment? Toi et moi, dans le bureau, tu as très honte. Je peux comprendre si c'est devant les gens. Toi et moi, on est rentré dans le monde, dans le bureau. On était comme ça. Et puis, tu m'as rien. On peut faire ça. C'est la honte. Ah? Avec moi aussi, dans le bureau, il y a de la honte. Maintenant, tu n'as plus honte. Ton puissant m'a dit. Ça que tu as me dérivé là. La honte est partie. Tu n'as pas compris. Je dis, ton puissant que m'a dérivé déjà là, la honte l'est partie. Donc, est-ce qu'elle vient saisir ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Elle a dit que. Je peux expliquer. Oui. C'est un phrasé la balle. Mm-hmm. On prend son phrasé. Mm-hmm. Ok, allons-y. Elle dit que quand elle arrive ici, la puissance que vous avez, mm-hmm. Donc sa honte est partie, elle va être délivrée. Mm-hmm. Par rapport à votre puissance, la honte est partie, elle va être délivrée. Elle n'a pas bien expliqué. Mm-hmm. Ce qu'elle a vu, elle a expliqué. Mm-hmm. La puissance m'a fait quoi? La puissance, quand je suis venue, je vais aligner. Mm-hmm. Je vais aligner. Mais ta puissance m'a fait dire, ah, ça là, quand tu as mis, tu vas là, ça va pas là. C'est quoi? Tu as compris que, si tu nies, si tu vas, tu vas Mauritanie. Tu as compris, c'est à cause de Mauritanie, c'est Mauritanie. C'est ta puissance. Oui, mais la puissance là. Comment tu es sûr que si tu ne dis pas, tu vas le visa. Hmm? Tu vas en Mauritanie direct. Tu as peur de mourir.
Tu n'as jamais tué. J'ai tué. Et puis tu as peur de mourir. Je n'aime pas ce que vous faites droit. Dans le vrai esprit mal que si moi, pour tuer là, pas je vais faire ça. Quand je fais ça, la journée, ça me fait mal. Quand je vois. C'est pas doux quand tu manges là. C'est très doux quand on va là-bas là. On mange bien. On mange bien. C'est quelle sauce tu fais là-bas? C'est sauce gombo. Banane foutu. C'est tout. Ça peut arriver souvent. On fait rire, mais pas trop. Toi, tu es foutu, tu manges. Ok. Tu aimes quelle partie de l'homme? Son cœur et la tête. Tu manges bien. Nous, on appelle ça boulou-boulou. Copé, c'est copé, non? C'est copé. Sauce. Bon, là, c'est copé. Sauce copé avec. T'es foutu, c'est ça? Tu manges bien. Hein? Là, tu manges deux fois. Tu manges pour nous là. Puis là-bas, quand tu vas te rassasier. Maintenant, je te laisse parler. Si je vois que tu mens, je ne parle pas, hein, je suis fatigué. Hein? La dernière fois, tu as parlé, c'est moi qui parlais à ta place. Je t'ai dit, si tu ne parles pas, je te laisse. On va commencer du début jusqu'à la fin. Mon prophète, j'ai mon mari, premier, c'est mon fils. Je vais. Non, qui, comment tu as eu ça d'abord? On m'a mis au monde à ça. On m'a mis au monde à ça. Quand tu es venu naître, tu as vu que tu es sorcière. Voilà, mon prophète. Donc tu as beaucoup travaillé. On m'a mis au monde à ça. Non, regarde pourquoi. Donc tu as beaucoup travaillé. C'est un travail, quand tu te mets au monde, tu travailles. C'est ça? Oui. Ok. Ce que tu as fait depuis ton t'as mis au monde, à la sorcellerie. On m'a mis au monde ça. C'est pas ce qu'on a fait maintenant. Hein. Mm-hmm. Depuis qu'on t'a mis au monde, ce que tu as fait, avant d'arriver à ton mari, ton fils. Premier, c'est mon père que j'ai tué. Okay. Deuxième, c'est ma maman. Comment t'as tué ton papa? Ben, je suis obligé de m'asseoir, je suis fatigué. Franchement, tu peux lâcher. C'est ma maman. Non. Après, jusqu'à... J'ai un grand frère que j'ai tué. Il n'y a pas de nom? Il s'appelle Panty Dominique. Mm-hmm. J'ai tué. Après... À mon mariage. Donc, quand je suis partie dans le foyer maintenant, j'ai fait les enfants avec mon mari. La première, je l'ai tuée. Tu as mangé ta fille? J'ai mangé ma fille. Comment tu appelles? Elle s'appelle Joris. Tu as fait quoi? Comment tu l'as tuée? Donc, quand je l'ai tuée. Comment tu l'as tuée? Je suis. Parti, je l'ai tué, elle m'a fait quelque chose, ça ne me plaît pas. C'est ça, je l'ai tué. Et ta maman aussi, elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu as tué. Ta maman, qui t'a tué la vie? Non, ma, donc, la maman. Arrêter à faire des. Il n'y a pas de raison, quand on tue les gens, il n'y a pas de raison. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle a fait quelque chose, ça m'énerve, c'est ce que tu dis. Vous tuez sans raison. Ta fille a fait quoi? Quand je l'appelle, elle ne me répond pas bien. Après, je l'ai tué. Et toi-même qui tue papa, t'as tué papa. Donc, c'est ça. Jusqu'à on est là, je vais encore manger mon fils. Là. Tu veux le manger? Oui. Je vais encore manger mon fils. Tu as faim? J'ai faim, papa. Donc, je vais manger mon fils. Tu ne sais pas où on va bouler. Je vais manger mon fils. Lélie. Tu ne sais pas où on va poulet. Mon prophète, je sais. On ne va pas cabri chez vous là-bas. On va. On ne va pas mouton. On va. Mais pourquoi c'est ton fils qui veut manger? Bon, est-ce que dans toi là, quand tu s'en vas là, tu ne connais même pas mon prophète. Oui. Quand tu s'en vas là, tu ne sais même pas que tu as les parents même. Esprit mal là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment.
tu sais pas, parce que si tu veux gâter là, tu ne connais pas ce que tu fais. Mmh. Oui. Maintenant, mais tu sais que c'est ton fils, non? Je sais ça, mon frère. Ça, c'est lui que tu veux manger. C'est ça, il y a des esprits mal là. Esprit mal là, ça détruit les gens, vraiment. C'est pas bon, oui. Esprit mal là, ça détruit les gens. C'est quoi? Mais tu as dit que tu es baptisé, confirmé. Oui, mon prophète. Donc, ça dit que tu vas à l'église. Oui, je vais à l'église. Tu fais quoi ça? Pourquoi tu n'as pas dit, parce que où tu pries là, qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon? Mais il ne voit pas. Ah? Donc c'est quand on voit qu'on dit. Oui. Toi-même tu dis que tu as quelque chose en toi qui n'est pas bon. C'est toi qui dois déclarer ça au médecin. C'est toi qui sais que c'est pas bon. C'est pas tout le monde qui voit. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. Et pourquoi? Parce que c'est toujours la honte là. Parce que la chose, esprit mal là, quand ça vient sur toi là, tu s'en vas là, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu manges, tu n'as pas rassasié. Non, là-bas, tu n'es pas rassasié, tu ne manges pas. Je mange. C'est pas doux. C'est doux. Non. C'est doux. Quand l'esprit est venu là, ce que tu as fait est dans l'esprit. Mais maintenant, le lendemain, quand tu vois, tu sais que tu as mal fait. Ça oui, maintenant, tu as fait quoi? Faut dire. C'est ça, je dis, je vais manger mon fils là encore. Tu veux le manger? Oui. Monsieur, oui. On va te manger. Ça c'est un gros foutu banane bien rouge. Voyez la fruit. Ça c'est sauce graine, hein, ou la sauce graine. Tu as voulu le manger? Oui, mon prophète. Et tu as fait quoi? J'ai attrapé premier. Tu as attrapé premier? Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai mis beaucoup de pommes. Mm-hmm. Puis t'attaché. Dans une semaine encore. C'est défait. C'est un mouton qui est têtu. Il s'est défait. Il s'est défait, il a fui. Il s'est défait, il a fui. Mais après, maintenant, j'ai dit, ah, si ça là, j'ai réussi ça, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner. Donc, c'est pourquoi j'ai fait, maintenant, venir vers mes enfants, venir m'aider. Ah bon? Oui. Ils sont où? Ils sont là. Non, attends, elle-même. Laisse. Faut les envoyer. Les enfants, t'as donné Mignani? Il y a un. Ouais. C'est ça, il dit maintenant mes petits-enfants. Lui, là, il dit les petits-enfants, ça veut dire qu'ils sont plus récents, nombreux. Ils sont deux. Où ils sont? Laisse-la l'appeler. Eh, hey, viens ici. Elle connaît le nom? Merveille! Merveille. Oh. Eh. Bonsoir là. Tu as donné. Maintenant, quand j'ai attaché, il s'est défait. Ouais. Quand il s'est défait, il a fui le mouton. Il a fui. C'est quoi un mouton, Gabriel? C'est un mouton. Donc, quand il a fui. C'est un mouton. Hein, c'est un mouton. Ok. Donc, quand il a fui, je dis, ah, mon petit là, j'ai le fait qu'on a même maintenant. J'ai envie de le manger. Et puis, il fuit. Je vais là-bas. L'esprit me dit. Oh, comme il fit là, il faut appeler tes petits enfants là. Il va t'aider. Ça, je dis, ah, mes petits enfants, venez vers moi. Venez comment? Tu les as donné ça avant de. Tu les as donné? Je les ai donné. Ouais, j'ai dit, ça là, je bouillis avec huile. Je dis, il faut manger. Celui-là. Attends. Alors, par exemple. Elle, ça fait quoi? Elle, je dis, viens bouillir avec une. Avec une chaîne de poisson. Puis je dis, il faut manger. Quand elle est quittée à l'école, elle est venue. Elle a appris, elle a mangé. La nuit, elle est venue la prendre. Non, poisson, là, elle est devenue quoi? Poisson, là, c'est poisson seulement, c'est pas devenu quoi? C'est pas de la chair humaine. Quand elle t'a donné le poisson, elle bouillit, là. Le poisson est devenu quoi? La chair de l'homme. La chair de l'homme.
Donc je l'ai attendu. On a commencé. Il faut qu'on fasse bien. Sinon, ils appuient sur toi. Puis quelqu'un va venir me dire quoi que ce soit. Ils appuient sur toi. Je baisse mon mur là, puis tu vas. Je donne mon visa. Maintenant, je suis prêt à signer tous les visas. On préfère partout. Regarde comment. C'est un mauvais esprit, partout. Donne mauvais esprit, tu continues d'écouter. Tu continues d'écouter mauvais esprit. Non. Non, je suis venu vers toi. Non, mais il faut laisser la vérité venir vers moi. Il faut dire la vérité. Quand tu as donné une yam bouillie, il y a un poisson dedans. Poisson est devenu quoi? C'est devenu poisson. Cher de quelqu'un. Mais tu as oublié. Pourquoi tu ne dis pas ça? C'est le français là qui est mauvais. Comment il y a plein de langues dans ta bouche? Non. Donc, tu veux me fatiguer ou bien? Non, c'est pas ça, mon prophète. Je t'avertis, il t'a déjà parlé. Je veux pas. Si je sens que tu n'avances pas, tu quittes devant moi. Je parle. Allons-y. Donc, je l'ai donné. Elle a mangé. À qui? À celle-là. Avec huile, avec chaud, poisson, l'homme de chair. Je l'ai donné. Elle a mangé. Bon, dans 2 jours, on est parti. Mais comment tu peux donner chair humaine à aidez-moi, on va manger son papa. Donc, elle a mangé, c'est ça? Quand elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a mangé, la nuit, je suis venue, je dis, ah, ma fille, c'est comment? Elle dit, oui, on peut aller. Je dis, d'accord. On est parti. Je vois, je la vois, je ne vois pas bien. C'est ça, je dis, ah, mon petit. Toi aussi, tu peux rentrer chez nous. Hein. J'ai préparé un chef. Donc elle est venue, le papa on voit, vous ne voyez pas le papa? Oui. Elle est venue en renfort. Je ne vois pas papa. Donc quand elle est venue, il a dit, mon petit, tu peux courir bien? Il dit, grand maman, je peux courir. Donc, je suis venue, je lui ai donné Nienila à lui aussi. Il a dit, ah, aidez-moi, on va manger vos papas. Donc, il est venu vers moi maintenant. Quand on est parti, j'ai dit, ah, tu peux attraper? Il dit oui. Il peut attraper. Donc, on est parti. Quand il est parti, il a attrapé. Vraiment. Tu étais contente? J'étais contente. Il dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On va fêter, mouton. Quand il a attrapé, tu es contente? Je suis contente. L'homme? Oui, mon prophète. Tu es content d'avoir attrapé l'homme? Oui, je suis content. Donc, quand on est parti, la nuit, ouais. Je vois encore, je dis, bon, mes enfants, qu'est-ce que vous n'avez pas attaché bien? Il a vu encore. Okay. Ah, mon prophète, vraiment, ça m'a tout découragé. Ça m'a tout découragé. Je dis, bon,